La 5 millionième Renault 4 est sortie aujourd'hui des scènes de montage de l'île Seguin, à Billancourt. Ce chiffre de 5 millions d'unités d'un même modèle constitue un record absolu pour l'industrie automobile française. C'est en 1961 qu'apparaît la première 4L. Elle succède à l'une des voitures les plus populaires de l'après-guerre, la 4 chevaux. Ce fut également une révolution technique chez Renault, car la 4L bénéficiait d'une traction avant et d'une ouverture à l'arrière pour les bagages. La première année, en 1961, la régie sortait 350 4L par jour. Actuellement, 16 ans après son lancement, la cadence est de 1450 véhicules par jour. En 16 ans, la régie a eu le temps de connaître les points forts de son modèle, maniabilité, volume du coffre, faible consommation et robustesse du moteur. Cette 5 millionième 4L, signée par les ouvriers de Billancourt, sera l'une des vedettes du salon de Francfort qui se tiendra du 15 au 25 septembre. À la suite de la collision.